Salut à toutes et à tous, c'est Kofifi, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, je voulais m'excuser pour mon temps d'attente en fait pour ma prochaine vidéo. En plus, c'était même pas la critique FIFA qui était prévue, c'est parce que c'était mon anniversaire, j'avais du monde chez moi pendant longtemps, on va dire, j'ai eu du monde chez moi. Du coup, j'ai pas pu tourner de vidéo, je suis vraiment désolé. Donc, c'est pas grave, en tout cas, on va continuer les vidéos, vous inquiétez pas, j'ai pas arrêté. On va lancer ma série, une autre série, ouais, en fait, je lance beaucoup de séries, mais je les continue pas, c'est ça le problème. Mais bon, allez, on va lancer ma série. C'est Aubameyang et les autres. Donc, les autres, c'est une équipe vraiment pourrie. Et en fait, dans cette série, on va jouer un match par épisode. Et chaque match gagné, là, j'ai une liste de joueurs que vous voyez à l'écran. Ça y est, vous la voyez là, normalement. Donc, à chaque match gagné, je vais choisir 3 joueurs. Je les mettrai dans les commentaires et vous aimerez mes commentaires. Et le commentaire qui est le plus aimé sera le joueur choisi. Donc on a une très très belle équipe quoi, on a de très très bons joueurs. On a du Leno 86, on a du Godze 85, du Thiago 84, du Gundogan 84, du Weiser Tots. Lui, il paraît vraiment pas fort, mais en fait, regardez-moi ses stats, je vous les mets là à l'écran. Il est juste exceptionnel quoi, genre il a 4 étoiles de technique pour un défenseur droit, il a de très très belles stats. Vraiment, il est vraiment bon. Ensuite, on a du Boateng, du Hummels, du... ça c'est régulier par contre, tout le reste est régulier. Reus, Alaba, Douglas Costa, et il me semble que c'est tout. Ouais, ouais, c'est ça, c'est tout. Donc, les amis, en tout cas, on va partir pour le premier match de cette série. On va jouer en bouclier des champions tous les matchs, comme ça vous voyez quand je suis en quart ou quand je suis en huitième, que je triche pas, au moins vous pouvez voir que je triche pas. Donc c'est parti, on se retrouve dès que j'ai trouvé un adversaire. Bon les amis, on vient de trouver un adversaire, c'est Edri UTD, Donc il va jouer en blanc, on va jouer avec le maillot de Boca Junior, donc en noir et en jaune. Il nous propose une équipe mi-Ligue 1, enfin mi-parisienne, mi-BPL, mi-Liga BBVA, mi-encore BPL. Ouais, franchement, belle équipe, c'est une belle hybride. Il y a aussi un lien entre Coutinho et Marcelo pour le brésilien. Donc très belle hybride en tout cas de l'adversaire. On est parti pour les plus gros moments du match. C'est parti. Allez. Ouais, c'est passé. Oh, c'est passé. Oh, magnifique. On va enrouler. Et c'est arrêté par son gardien. Dommage. Première très grosse occasion. Enfin, très grosse. Première grosse occasion. Et c'est pas Aubameyang. Aubameyang, il a pas encore touché la balle. Allez, c'est parti. Morales, il y a déjà plus d'énergie en fait. Allez, col gauche. Col gauche, on accélère. On peut la donner. Voilà, on l'a vu. On l'a vu également, on enroule et c'est arrêté par son gardien, dommage, très belle action collective. On n'a toujours pas vu Aubameyang, c'est dommage. Allez, c'est reparti. Attention, il est sur le côté, il va pouvoir centrer et là il est seul et c'est le but. Ah putain, bon, il centre, c'est dommage. But avec Cavani, il va falloir revenir au score et pouvoir gagner. Ce serait cool de gagner dès le premier match quoi. J'ai déjà une idée des joueurs que je vais choisir moi, mais ce serait cool de pouvoir gagner dès le premier match. Allez, c'est reparti. On peut envoyer sur le côté, va falloir trouver Aubameyang, ça y est, on trouve enfin Aubameyang dans ce match qui touche son premier ballon. Aubameyang, il est passé, il va frapper angle fermé, c'était la première frappe d'Aubameyang. Donc, oh c'est reparti, attention, Aubameyang, la frappe de loin d'Aubameyang, la transversale. Quelle grosse frappe il a, Aubameyang, MOTM. Allez, dommage, c'est reparti. Oh, c'est récupéré, bien récupéré. Oh là là, il est passé, enroule. Ah, c'est arrêté par Joart, dommage. Joart qui nous fait un très beau match du côté adverse. Allez, c'est dommage. On va faire le corner. Faudrait arrêter de les faire avec Aubameyang, puisqu'il est bon à la tête. Et d'ailleurs, ah, ça bug. Non, c'est à côté, dommage. J'ai cru qu'elle était dedans. Allez, faut égaliser, on est capable d'égaliser. Oh, c'est bien joué. Allez, on va la remettre dans l'axe. C'est bien joué, t'es seul, enroule. Et c'est encore un arrêt de Joart. Oh, et non, c'est pas possible qu'il arrête autant de ballons. Allez, c'est récupéré. Oh, la frappe en dehors de la surface. Oh. Allez, et c'est dedans. Oh, l'égalisation. On a de la réussite parce que ça retombe sur notre joueur. Mais en tout cas, très belle frappe de mon joueur. Je sais pas du tout comment il s'appelle. J'ai vraiment pas regardé comment il s'appelait. En tout cas, on fait une frappe à l'extérieur de la surface. Elle est contrée. Ça revient sur notre joueur. Et notre joueur qui peut la refaire, c'est Krenzenzi. En tout cas, très beau. Enfin, pas très beau but, mais on égalise. Allez, c'est reparti. Bon, les amis, c'est la mi-temps sous le score de 1-1. Voilà, vous voyez de vous-même, on domine vraiment beaucoup, beaucoup. On a 15 tirs, il n'en a qu'un seul. On a 8 tirs cadrés, il n'en a qu'un seul. Ça, c'est le genre de match qui d'habitude font rager, mais non, ça va, franchement. Vu que mon équipe, ça va, elle se débrouille pas mal. Je suis content. Allez, c'est reparti. C'est récupéré. Magnifique. Faut trouver Aubameyang. On a réussi à trouver Aubameyang. Il est passé. Oh, Aubameyang. À la Hussein, à la Hussein.
heureusement qu'il se montre enfin Aubameyang. En plus, il se montre bien. Allez, c'est reparti. Allez, c'est passé. Faut mettre le 3-1. Faudrait se mettre à l'abri avec Aubameyang. Aubameyang la frappe et le 3-1. Si, il est trop chaud. Il est trop chaud, on peut pas l'arrêter de toute façon. Il a la balle, il frappe, il marque. Il est vraiment trop chaud, Aubameyang. Allez, les gars. Franchement, en plus, c'est beau but. C'est un beau but, il fait l'appel. On lui passe et il frappe. Et c'est dedans, c'est tout simple, mais c'est beau. Allez, c'est reparti. Aïe, il est passé sur le côté, attention avec Pedro. Ouais, c'est bon, c'est bien récupéré. Très très bien récupéré. Faudrait pas qu'il arrive à marquer parce qu'il serait capable d'égaliser. Et nous on joue bien en passe. On peut avoir Aubameyang. Oh, il est passé Aubameyang. On va passer plus comme ça. Oh, c'est bon, c'est passé. Et normalement là c'est but. Et voilà, 4-1, qu'est-ce que je disais. Il a la balle, il a la vitesse, il a la frappe. Ben c'est but tout simplement. Il est vraiment énorme ce joueur. Regardez-moi ça, il repique dans l'axe. Il enroule et ça rentre. Joe Hart ou pas Joe Hart, c'est Aubameyang en face. Allez, c'est reparti. Oh oui, c'est bien joué. Aubameyang, on va frapper de loin. C'est quoi, on va tenter de beaux trucs. Oh là là, on met le poteau. Ah, il est trop chaud, laisse tomber. Je frappe de loin une seule fois et il y a poteau. C'est terminé les amis, on a gagné ce premier match dans ce premier épisode. Ça fait super plaisir. C'est Crescenzi l'homme du match, mais il est égalité avec Aubameyang qui m'a fait un match de dingue quoi. Crescenzi, il a marqué le premier but. Aubameyang, on l'a pas trop vu en première période. C'est en deuxième période qu'il a été exceptionnel, tout simplement. Il touchait la balle, il tirait, il marquait, tout simplement. Donc, bon, voilà, on gagne 4-1. La domination, elle est flagrante, quoi. 22 tirs à 6, 12 tirs cadrés à 4. Donc, la liste des joueurs, elle s'affiche à votre écran, voilà. Donc, j'ai dit beaucoup de « donc eux ». Moi, je vais choisir, franchement, je vais choisir les 3 joueurs. Là, je vais les écrire en commentaire, les 3 joueurs. Et vous aimerez le commentaire que vous voulez, le joueur que vous voulez que je rajoute à l'équipe. Je vais choisir Götze Boost 85, je vais choisir Leno 86 ou je vais choisir Marco Reus 86 également. Donc n'hésitez pas, allez liker le commentaire de votre choix, donnez-moi vos avis sur la série et laissez un like si ça vous a plu, abonnez-vous si vous êtes nouveau. C'était Kofifu, je vous dis à bientôt. Ciao. Faut que ça marche, que ça finisse par payer, je lâche pas, viens pas me gêner, drage, voilà la ligne d'arrivée.